Et bien salut tout le monde, Chapeau de Paris, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça sera Quoi de neuf sur Epic, épisode 133. Du coup, avant de commencer pour les jeux gratuits de l'Epic Game Store, n'oubliez pas qu'il y a les soldes d'hiver qui viennent de commencer, jusqu'à moins 75%, et c'est jusqu'au 16 mars à 16h. Du coup, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas. Et pour le jeu gratuit d'aujourd'hui, ça sera Call of the Sea. De base, il fait 20€. Pour les développeurs, c'est Out of the Blue. Éditeur Raw Fury, et la sortie initiale c'est le 8-12-2020, donc il y a 2-3 ans. Plateforme PC. Et pour la présentation du jeu, Call of the Sea est un conte surnaturel sur fond de mystère et d'amour qui se déroule dans les années 1930 dans le Pacifique Sud. Explorer une île luxuriante, résolver ses énigmes et percer ses secrets pour retrouver l'expédition disparue de votre époux. Pour le genre, c'est occasionnel, casse-tête, aventure. Et caractéristiques solo et les sauvegardes dans le cloud. Et pour les contenus additionnels, non, il n'y a rien d'exceptionnel. Attendez, on va quand même regarder au cas où. Ouais, c'est payant. Du coup, voilà pour le jeu gratuit de l'Epic Game Store. Enfin bref, merci d'avoir suivi la vidéo. Petite vidéo courte comme d'habitude. Prenez soin de vous. N'oubliez pas, tous les jeudis, un nouvel épisode. Sinon, n'hésitez pas à lâcher un petit follow, un like et puis un commentaire pour le référencement, etc., etc. Et puis moi, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée. C'était Chapeau de Paille. Peace!